Hey, salut les amis. Aujourd'hui, on va parler de boissons alcoolisées sans modération. Je sais pas pour vous, mais moi, en cette période de confinement, ma consommation d'alcool a quand même pas mal augmenté. Vraiment, vraiment bien augmenté. Je crois que je l'ai presque triplé, en fait. Alors, je ne bois pas tout le temps que du rhum vieux, etc. Je bois principalement des rhums blancs. Et en cocktail, généralement, je me suis passionné pour le daiquiri, mais il y a une forte augmentation de ma consommation d'alcool. Cette question-là, je me la suis posée assez souvent, de me demander si j'étais alcoolique ou si je pouvais le devenir. Ma famille s'est inquiétée de me voir me passionner pour le rhum et je me suis dit qu'il fallait quand même que je fasse un article, que je vous fasse une petite vidéo pour vous interroger parce que je parle quand même d'un alcool fort et que la problématique de l'alcoolisme, c'est pas rien. Mais c'est pas une question que vous vous posez, vous. Est-ce que vous êtes alcoolique? Et déjà, est-ce que vous savez ce que c'est que l'alcoolisme? L'alcoolisme, c'est une dépendance, tout simplement, c'est une dépendance, comme on peut être dépendant de la cigarette, que l'on peut être dépendant de drogue. On n'a pas la capacité de se retenir, de boire de l'alcool. C'est très difficile, on en a besoin, le corps en a besoin et il nous le fait ressentir très fortement. Les réactions peuvent être diverses, un mal-être, de la transpiration, une mauvaise humeur qui grandit très fortement en nous. Et si on n'a pas notre dose, on est vraiment très très mal. Ça, c'est les symptômes. Mais ce qui est plus embêtant, c'est les conséquences de l'alcoolisme. Alors avant de parler des différentes étapes de l'ivresse, ce qu'il faut comprendre, c'est comment on peut devenir alcoolique. Et c'est quand même très subtil et bien plus pernicieux que l'addiction que l'on peut avoir à la cigarette ou à la drogue, qui est quand même assez rapide. C'est très connu, cette addiction. On peut être addictif, devenir addict à la cigarette ou à une drogue dès la première prise. Mais pour l'alcool, c'est bien plus sournois. C'est au bout de pas mal de temps à en boire que l'on devient alcoolique. On peut boire un verre de vin régulièrement, même chaque jour, et ne pas devenir alcoolique. Alors, avec les années, c'est fortement possible que vous puissiez le devenir, même avec un seul verre de vin par jour. C'est tout simplement que le corps va s'habituer à cette dose d'alcool et au bout de 10 ans, par exemple, qu'il a chaque jour cette petite dose d'alcool, et le fait qu'une journée, il ne l'ait pas, vous allez le ressentir, ce manque. Et si vous ressentez ce manque, c'est simplement que vous êtes alcoolique. Alors bien sûr, les conséquences les plus graves, c'est quand on a une consommation un peu plus forte qu'un verre de vin chaque jour. Ça, on peut devenir alcoolique en ne buvant pas de l'alcool régulièrement, mais par exemple en faisant des soirées très très arrosées, en faisant du binge drinking, c'est très probable que vous puissiez devenir alcoolique si vous les renouvelez régulièrement, ces soirées. Par exemple, si vous vous amusez tous les vendredis soirs ou tous les samedis à faire ce genre de soirée, vous buvez trop d'alcool, clairement trop d'alcool, il est fortement possible qu'au bout de quelques temps, ça dépend des personnes, l'alcool, on a tous une affinité différente à l'alcool, on a tous la possibilité de résister aux effets de l'alcool qui est différent, mais immanquablement, à force d'en boire comme ça, à forte dose, on va très rapidement devenir alcoolique. Et on va avoir besoin de ces soirées, et au bout d'un moment, ces soirées suffiront plus, et on va se mettre à boire de l'alcool à très forte dose, alors qu'on n'est pas en soirée. Et là, c'est clairement l'alcoolisme brut, l'alcoolisme très fort, l'alcoolisme qui va avoir des conséquences très très graves sur le corps, sur le foie, où on va commencer à avoir des maladies graves qui vont détériorer nos organes internes, qui vont détériorer le cerveau. Et les conséquences peuvent être très graves avec des maladies qui peuvent nous handicaper et même nous mener jusqu'à la mort.
Alors avec toutes ces conséquences qui peuvent être très graves, pourquoi on boit de l'alcool? Bah parce que c'est bon et puis que ça fait bien plaisir d'en voir quand même. Alors les effets de l'alcool sont gradués. Ils arrivent les uns après les autres en fonction de la quantité d'alcool que l'on va consommer. Pour vous aider dans cette graduation, je vais utiliser en fait l'absorption de verres d'alcool. Et pour avoir une échelle égale pour tout le monde, en ne prenant pas en compte le fait que l'on a une résistance différente entre ne serait-ce que hommes et femmes, et puis entre chaque individu, on va parler de nombre de verres bu. Et pour le nombre de verres, on va prendre la règle légale qui est un verre avec 10 g d'alcool pur dedans. Donc ça équivaut à peu près à un verre de vin de 12 centilitres, un verre de rhum de 2,5 centilitres, ou une bière de 25 centilitres. Donc bien sûr, pour les personnes qui s'amusent à se faire des grands verres d'alcool de 10 centilitres de rhum, ça équivaut à 4 verres, hein, et pas un seul. On va appeler ça les stades de l'ivresse. Alors les premiers, bah, c'est les plus intéressants. C'est ça qui nous fait aimer l'alcool, c'est ça qui de tout temps nous a amené à adorer boire de l'alcool, dont le premier effet est l'inhibition. L'inhibition qui nous fait nous sentir plus grands, plus joyeux, plus festifs, qui casse un peu les barrières de notre timidité ou de notre morale. C'est ça qui nous grise et qui nous fait revenir à chaque fois à boire de l'alcool, tout simplement pour obtenir ce premier effet. Alors avec un deuxième verre d'alcool, bien sûr, ces effets d'inhibition grandissent, sont plus fort, et puis on va aussi se sentir plus puissant, on va avoir un sentiment d'invincibilité. C'est encore festif, c'est encore sympa, mais le fait de se sentir invincible, c'est là que ça commence à clocher quand même. Hein. Avec les troisième et quatrième verres, c'est là que commence à avoir des effets un peu spéciaux. Alors bien sûr, les premiers effets dont l'inhibition se sont renforcés, on est encore plus festif, beaucoup plus joyeux, mais on a un espèce de brouillard qui commence à s'instiller dans la tête, dans le cerveau, la vue commence légèrement à se troubler, enfin, généralement on le voit pas, mais c'est parce que c'est aux périphéries, hein, tout simplement, et on a les sens qui commencent à ralentir. Nos mouvements sont beaucoup plus lents. Avec 4 ou 5 verres, les effets négatifs commencent vraiment à se ressentir vraiment. On a une petite fatigue qui pointe le bout du nez, alors avec l'excitation que l'on a de la désinhibition, on ne la ressent pas forcément en premier plan, mais on est tout de même avec une fatigue qui devient de plus en plus forte. C'est souvent que l'on voit des personnes qui s'assoupissent très facilement après quelques verres d'alcool. C'est peut-être pas pour rien qu'il faut pas prendre le volant après avoir bu. Hein. Allez, allons plus loin et disons qu'on va boire entre 6 et 10 verres. Les effets de l'alcool, là, sont vraiment bien là. C'est sûr et certain, même avec une personne qui a une bonne résistance, les effets de l'alcool, vous les ressentez réellement. Alors, on est toujours désinhibé, on a l'impression qu'on est joyeux et qu'on a toujours cette toute-puissance, mais ce sont vraiment les effets négatifs qui se sont renforcés. On est beaucoup plus fatigué et généralement là, la fatigue, vous la ressentez réellement. Et surtout, vous avez bu plus d'alcool que votre corps est capable d'éliminer. Donc vous allez avoir des effets vraiment indésirables qui vont commencer à arriver, des mal de ventre. Vous pouvez même commencer à avoir des maux de tête et vous allez avoir envie de vomir. Tout simplement parce que comme le corps n'a pas la possibilité d'éliminer tout l'alcool que vous avez ingurgité, il va essayer de l'éliminer d'une autre manière. Ouais, je suis en confinement, je suis pieds nus. Alors bien sûr, si vous avez une forte résistance à l'alcool, vous pouvez vous amuser à en boire bien plus. Mais les effets vont être gradués et de la même manière, vous allez avoir plus ou moins les mêmes stades et vous allez arriver jusqu'à être très fatigué et avoir envie de vomir. Vous allez finir par vous assoupir et c'est là que, après, les effets vont être beaucoup plus graves, surtout si vous avez beaucoup bu. Le premier de ces effets, le plus connu, c'est le mal de crâne. La migraine que l'on a, la gueule de bois que l'on a en se levant le matin, qui peuvent être horribles. Tout simplement dû au fait que l'alcool empêche l'eau d'arriver au cerveau.
Le cerveau a vraiment besoin d'eau et en fait, il va s'assécher. Le cerveau va s'assécher et c'est ça qui provoque ces migraines. Et c'est pour ça aussi qu'il est conseillé de boire de l'eau quand on boit de l'alcool. Alors ça, c'est l'effet le plus gentil, hein, parce que ce qu'il y a d'autre, c'est moins joli. Vous pouvez avoir tout simplement un petit blackout, tout simplement avoir complètement oublié ce que vous avez fait la soirée. C'est peut-être pour ça que on y revient sans se poser de questions, hein, parce que si on se souvenait qu'on a dégueulé par terre, qu'on avait un mal de crâne de chien, on n'y revenait pas aussi souvent. Mais le pire, c'est quand même le coma éthylique, hein. Ou pire encore, ah bah ouais, on peut mourir. Alors bien sûr, l'alcoolisme chez les enfants et chez les femmes enceintes est bien plus grave parce que ça peut avoir des conséquences très graves et avec une absorption d'alcool plus faible. L'enfant a encore son cerveau qui est en développement et l'absorption d'alcool peut avoir des effets très néfastes sur son cerveau et provoquer des maladies graves. Chez la femme enceinte, c'est toujours les mêmes effets mais carrément sur l'enfant, le fœtus. Ça peut provoquer des fausses couches ou alors des enfants avec des maladies graves également. Voilà pourquoi sur toutes les publicités, sur mes articles, sur mes vidéos, il y a placardé que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est une loi qui a été promulguée il y a déjà quelques dizaines d'années, la loi Evin. C'est une loi qui a été faite pour enrayer l'incitation à la consommation d'alcool. Donc on n'a pas le droit de faire de publicité pour la consommation d'alcool. Alors bien sûr, cette loi, elle a un peu évolué avec les années, parce que bientôt, on est en France. Et bah, en France, le vin, bah, il n'était pas vraiment content que on l'empêche de vendre son produit. Donc le lobby a permis d'avoir quelques petites concessions sur cette loi et d'avoir la possibilité de faire de la publicité dans différents endroits. C'est par exemple pour ça que vous n'en avez aucune publicité à la télé, mais que dans le métro, vous allez avoir des bières et différents alcools qui sont placardés sur les panneaux publicitaires. Bon, je peins un portrait plutôt négatif de l'alcool jusqu'ici, mais pourquoi en fait on boit de l'alcool plus que de raison et même pour festoyer? De tout temps, on aime cet état. On aime cet état d'ébriété, ce petit plaisir que l'on a, cette désinhibition qui nous rend plus fort, qui nous rend plus joyeux. On aime ça. Et ça depuis très longtemps. On fait de l'alcool depuis des milliers d'années. Parce qu'on aime ça, et les animaux aiment ça aussi. Il y en a qui adorent picorer les fruits fermentés et qui tombent dans l'ivresse totale. Donc c'est parfaitement naturel de base. Mais on a amélioré ce processus. On a inventé différents types d'alcool, parce qu'on a réussi à faire de l'alcool avec n'importe quel truc qui pouvait être sucré. Et pour en revenir au rhum, parce que c'est quand même ça qui m'intéresse le plus, bah on a... Même si c'était un alcool assez bas de gamme, réservé aux esclaves quand il a été découvert, qui était vraiment un alcool vraiment pourri en fait, bah avec le temps, les distilleries ont réussi à améliorer le processus de fabrication. On a découvert que l'on pouvait améliorer le goût avec l'affinage en fût. On a découvert la possibilité de faire différents mélanges. On a fait pas mal de découvertes, on a encore amélioré le processus de fabrication et aujourd'hui on a quand même un alcool qui est très riche. Déjà rien qu'avec la possibilité de faire des rhums de pur jus et des rhums de mélasse, on a une palette aromatique extrêmement riche et c'est ça qui fait que ce rhum est délicieux, que l'on aime ça, qu'il y a énormément de personnes qui aiment ça et que c'est un alcool associé à la fête aussi. Et alors, est-ce que je suis alcoolique? Personnellement, aujourd'hui, je pense que non. Alors, je vais faire attention pendant cette période de confinement à ne pas le devenir, mais je sais que je suis capable de faire des petites sessions de 2-3 semaines sans boire une goutte d'alcool et ne jamais ressentir le besoin. Et donc, rien qu'avec ça, pour l'instant, je sais que je ne suis pas alcoolique. Je le fais de temps en temps pour vérifier, pour être sûr que je ne suis pas alcoolique et que je ne suis pas en manque d'alcool. Après cette période de confinement, il va vraiment falloir que j'en refasse une période comme ça de quelques jours, enfin de quelques semaines sans boire une goutte d'alcool parce que vu la consommation que j'en ai, il y a des risques. Mais pour l'instant, ça va bien. Voilà les rumeurs, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu.
Peut-être que ça vous aura permis de répondre à certaines de vos questions si vous êtes alcoolique ou éventuellement de vérifier votre consommation. En attendant, vous êtes libre d'aller télécharger gratuitement mes livres sur mon blog. N'oubliez pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé, mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Hein ? Vraiment, il faut en boire avec modération. Allez les rhumeurs, à plus, santé !